Salut YouTube, pour une fois, une vraie introduction pour toi, pour la vidéo de découverte de Hack. Donc après, c'est un Metroidvania qui a l'air très sympa, surtout l'ambiance qui me faisait plaisir. Vous verrez après peut-être les graphismes, ça vous fera pas forcément kiffer. Moi, je voulais voir si on pouvait mettre le jeu dans une autre langue. Oui, malheureusement, il n'y a pas français. Bon, on sera en anglais, je vous ferai des petites traductions si besoin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dialogues. Oh là, il y a même un QR code incroyable. Oh, je vous le cache. Désolé. Et là, c'est parti. Nouvelle partie de Hack. Je vais me cacher. Non, ça marche pas. Bah, je peux pas me cacher, désolé. À cet endroit est une jungle de béton. Non, c'est carrément un labyrinthe. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur Terre? Ah non. Ah, qu'est-ce que c'était ces anciens... Pourquoi ils pensaient les anciens cons? Ils ont fait ça, c'est nous les cons, je suppose. En vrai, je pensais que le style graphique était différent. Regardez, c'est... pas trop mal. Ah, vous me cachez, bravo, c'est gentil. Moi, j'aime bien la voiture. En fait, j'avais vu chez d'autres gens et j'avais d'autres idées en tête. Mais non, non, c'est ok. C'est plus stylé que ce que je pensais. Depuis combien de temps je suis bloqué ici? 3 jours. Je dois trouver une sortie. J'ai pas trop spoilé chez Sejouf, ouais. Alors, évidemment, c'est un jeu qui joue en QWERTY, donc faut que je change, voilà. On peut sauter. Nouvelle mission. Préro, où es-tu? J'ai jamais compris en anglais, bah tiens, un petit cours d'anglais pour le chat. Comment on utilisait vos, genre T-H-O-U, pour dire you. Qu'en fait, ça veut dire you. Et pourquoi les gens disent pas you? Ils disent vos. Alors, genre, je sais même pas trop comment ça se dit. Un trou. Vous avez besoin d'une arme pour détruire ça? Ouais, ok, c'est pour ça. Ça se dit Zao. Zao. Et il y a pareil avec Z. Avec le Y. Ah, c'est pour dire que le tu. Ah, ok. Ah, ok, ok. Hack. Ah, voilà. Vous voyez les machines derrière? Ah non, j'ai pas besoin d'une arme. Je savais pas si je pouvais... Oh, il y a un chat. Follow the black rabbit, the black cat. C'est ça? J'ai une carte. Et le chat? Ça se dit vie. J'ai des emails. Hein. Un sujet à progression de l'investigation numéro 4 depuis Teddy. Je suis dans un entrepôt maintenant. Ouais, ça a l'air pas mal. On dirait qu'il n'y a pas vraiment moyen de sortir par contre, à part ce petit passage dans le plafond. Je pense qu'il faudrait que je m'envole là-bas et que j'essaye d'avoir que le jackpack fonctionne bien. Ah, ça spoil le jeu. Ça spoil le jeu. Oh! Un anneau magique. C'est une montre. Navigation. Terminal mobile personnel de génie. Bien sûr. Qui fait des communications à distance, bien sûr. Très très bien. Oh non! Il y a des emojis! Regardez les emojis! Vous entendez? Qui est là? Qui êtes-vous? Vous avez cette montre? La connexion a l'air vraiment mauvaise par contre. Où êtes-vous? Là où vous êtes? Qu'est-ce qui se passe avec cette montre? Ah, j'utilise pour contacter mon agent, au moins avant que vous mettiez vos mains dessus. Ah, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé à votre agent. J'ai trouvé cette montre par terre dans les ruines. Bordel de merde. Attendez, vous voulez dire les ruines de Sanyo? Ah, ok, j'ai compris. Je peux garder la montre, mais j'aimerais que tu m'aides à trouver mon agent. Il s'appelle Troakyo. Hein? J'en ai rien à foutre de ta montre.
J'ai une façon de t'aider à sortir des ruines. Eh, comment tu sais? Ok, oublie. Montre-moi le chemin alors, génie. Ça va à l'est jusqu'à ce que tu trouves un viaduc collab détruit. J'ai envoyé les coordonnées sur la carte de ta montre. Ah, tu peux appeler, tu peux me montrer la carte, non? Tu peux m'appeler Trait. M pour la carte. Oui, mais M sur les claviers anglais, c'est où? C'est là. Oui, bah à l'est, quoi. J'avais compris. Pas très bien traduit. Alors, désolé, je fais des traductions à la volée. Hein. Hein? Faut passer. La porte. J'appelle Truit. C'est pas con, Truit. Et l'autre, il s'appelle 3Kyo. YOLO! Oula. Hop, bordel de merde. Boum. Ils veulent que je descende, mais moi j'ai envie de... Ok, y'a rien. Il manque des mots? Mais non, mais il manquait... Ah oui, ok, donc dès qu'il y a ça, c'est qu'il y a un raccourci, a priori. Tout à l'heure, il y avait le chat, il y avait ça. Il y a des trucs derrière les murs. Mais on a les indicateurs, il n'y a pas toujours un truc derrière le mur. Faut rester appuyé pour sauter plus haut. Ok, on peut s'accrocher. Allez plus haut. Pourquoi je pensais qu'il y avait un truc là-bas? Boum. Oh! La vida loca. Approchez, monsieur, dame, c'est gratuit. Oh, on change de style. Hein. C'est dommage que je puisse pas me cacher. Là, je vais me pousser. Merde. Mettre là. Comme ça, vous verrez le nom de la personne, la personnage féminin. Mm-hmm. Salut. Yam. Mon nom est Yam. C'est tout ce que je te dirais. D'accord. Ok. Tu veux. J'aimerais savoir. La sortie est à l'est. Tu te balades dans les ruines sans armes. C'est un peu prétentieux, mec. Laisse-moi te dire, il y a des chiens fous qui n'ont pas mangé depuis longtemps. Ah ah. Ouais, bah du coup, chacun pour soi, hein. Démerde-toi, mec. Ça, c'est un point de sauvegarde, ok. Donc, c'est un Metroidvania, donc les points de sauvegarde sont sur la carte et quand on meurt, on reviendra là. Ok, ta montre me dit que t'es arrivé pas loin de l'autoroute. Tu dois passer le viaduc. Ça devrait pas être trop dur pour toi. La prochaine destination est marquée sur la carte. Ah, au fait, t'as des armes avec toi ou pas? Ah non, pourquoi? T'as marché tout ce long dans la nature sans armes? Comment t'as survécu? Ah, je suis rapide, ok. Bien que tu puisses courir, mais c'est pas une bonne solution au long terme. Ah, tu devrais te trouver une arme. Il y a beaucoup de dangereuses créatures qui traînent dans le coin. Ok, j'ai compris. Ah, j'essaie d'en trouver une. Le mec a une cape, j'avoue. Hein. Ah oui, d'accord. On peut pas voir en bas. Attends, il m'a montré sur la carte, il a dit. C'est en haut. Boum. Petit chat! Ah, il a peur le chat. Petit chat! Oui, mais parce qu'il y a les loups. Voilà. Ruff, 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 ruff. Et ils viennent! C'est vrai, ils sont pas très dangereux. C'est pas trop dangereux. Les chiens. Mon chien. Là. Ok, c'est des mines, ça. Yes. Right. Ok, il y a du rebond. Ah, il y a des mines sur les murs aussi. Rip les chiens. Oula. C'est du lore, je pense, non?
On va skipper le lore. Pas team lore, moi. Moi, je suis team bagarre. Il me faut une clé. Bah, c'était rapide, vraiment impressionnant, les gars. On dirait que la porte est fermée, par contre. Ah, c'est vrai, il y a besoin d'une carte qui pourrait être n'importe où. Alors, regarde un peu dans le coin, quand même, s'il n'y en a pas à l'ouest. Quand tu trouves la clé, reviens ici et je te dirai la prochaine étape. Ah, si, le plus profondément tu vas dans les ruines, le plus tu auras de chances d'avoir des rencontres un peu bizarres. Ah, tu vois ce que je veux dire? Essaye de pas crever quand même. Qui ferme sa gueule? J'ai ouvert où là? Ah oui, c'est accessible. On dit, je croyais que c'était un mur à chaque fois ça, mais non, c'est accessible. Alors en bas, c'est un secret du coup? Ou un raccourci? Security password 91 27. Vous retenez le chat, hein. Ça, je vais voir si ça pète. Oui, ça pète. Ok, donc ça, on pourra peut-être le casser ou un truc comme ça. Okay. On peut descendre, ouais, ok. C'est évident, mais bon. Prof. Oh, j'ai même écrasé les petits potes. Il y a peut-être des poulets de mur, du coup. En plus, c'est un Metroidvania, donc il y a moyen. 57-32, merci. Je crois que c'est ça que j'avais retenu. Pas pété. Mais non, c'est bon, j'ai retenu. Incroyable. Oh là. Oh, les yeux. Et oui, voilà, c'est un peu l'ambiance que qui m'a donné envie aussi de jouer au jeu. Ça, quoi. Un peu toutes ces ambiances-là. Même si le style visuel est assez spécifique, mais ça passe bien. Hein. Moi, je trouve que ça va. Hein. J'ai vu certains ennemis et c'est un truc qui m'avait un peu plus choqué. Et voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Qu'est-ce qui vient de se passer? Non, c'est pas moche du tout. Hein. Au contraire, je suis plutôt agréablement surpris parce que de ce que j'avais en tête, ça allait être... moins beau, mais non, du coup, c'est très beau. Merde, c'était quoi le tuto? Clic gauche, clic droit pour... Oh, voilà. On a un grappin. Maintenant, on a un clic gauche pour taper, un clic droit pour grappiner. Oh, j'ai eu un bouquin, bien sûr. J'ai eu des succès, en tout cas. Un disque qui brille, on sait pas pourquoi, on sait pas quoi il sert. Il y a un genre de miroir spécial. Vous avez collecté un disque. Let's go, les disques qui brillent. Ah, c'était cadeau le disque, ok, on peut pas passer. Alright, c'est un secret. Ça manque d'un petit dash là, mais je pense qu'on l'aura bientôt. Ok, ça c'est des ressources visiblement. On a vu un genre de petit coffre là. Bim! Ah, ça y est, je peux le grappin? Ah ouais, le grappin fait des dégâts. Du coup, je peux taper à distance. C'est un secret, ça. Prenez pas pour un bleu. Moi, je veux des HP up. Par contre, ça fait... C'est pas toujours bien équilibré, le boucan que ça fait. Hein? Et voilà. Historien, c'est des disques qu'on mettait dans les arbres pour effrayer les oiseaux. Ça a aucune autre utilisation possible. Attendez, mais j'ai eu quoi là derrière? Ça servait à rien.
Ah voilà. J'ai eu du journal. Avril, 29 avril 2041. Crise de population. Alright. C'est vrai qu'il y a des trucs, des fois tu te dis mais... Les gens qui vont débarquer... Le con. Les historiens des générations futures, des fois ils vont voir des trucs des années 2000, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop. Un ennemi ça? Par contre... Regardez, ça j'avoue, bon voilà. Ça change des rats et des chauves-souris, mais des fois faut pas changer. Hein. Ça c'est un quart de cœur, je reconnais. Life shard. Il en faut 3 a priori. Comment ils ont fait pour ruiner en si peu de temps? Oh, non, c'est, ça, c'est... Ah, ok, ça c'est au cas où je suis soft lock là comme à l'instant. Donc ça je veux le descendre en fait. Et ça je veux le monter et je veux monter avec. Ils ont été mangés par les chiens affamés. Ah, je peux pas utiliser le grappin ni mon arme quand je suis accroupi. Toujours être utile. Oula, attention. Aiming mode. Ah, ok, il y a un mode pour pouvoir bien viser avec le grappin. Ok, ok. Effectivement, ça peut être pratique. Je ramasse les thunes, c'est toujours utile. Hop. Je passe à là. Non. Pardon. Non, je pense que le chemin, c'est là où il y a la grosse flèche. Ah, il va pas au bout du monde, mon grappin, quand même. Okay. Oh. Je crois que j'ai plus trop de vie, aussi. Hein. Oh. Ok. Ouais. HP tout low, comment ça? Bah j'ai un truc de HP là. Yo, merci Nimelia. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue tout le monde. Coucou. Coucou tout le monde, c'est Guia, salut Xeran, coucou. Nimelia. Ah, vous faisiez quoi? Bienvenue. Merci beaucoup. Ah oui, alors attendez, il y a un nouveau truc sur Twitch. J'ai envie d'essayer. Je l'ai pas. J'ai pas l'option. Oh non, rip. Comment ça, chat was machin by BTTV là? Merci Clissio qui offre un sub à Guilla. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé avec le chat? Ça a effacé le chat. C'est ma faute, j'ai tout... Merde. J'ai juste mis la fenêtre en plus grand. Il a cliqué à côté. Ah, désolé. Mais merci. Ça m'a mis ça, c'était chelou. Et en fait, il y a maintenant, il y a un truc avec les shootouts. Vous pouvez... C'est un shootout que pour les gens qui n'ont pas follow... La chaîne que vous mettez en shootout. Et du coup, j'ai pas l'option. Donc, vous cliquez sur le pseudo d'Imelia et vous faites suivre. Voilà. Ça fonctionne aussi, du coup, mais... C'est mieux si on utilise l'outil intégré. Bon, follow away, là. Moshi, je suis génie, votre génie représentatif de tech. De technologie. J'ai content d'être à votre service. Laissez-moi vous introduire notre service de pognon. Ah oui, super. Alors, vous recevrez des tunas quand vous serez blessé sérieusement.
Tu peux ensuite dépenser ces tunasses dans les items. Pour acheter des items à la machine, bien sûr. Comme Isaac. Ces produits seront lavés. En laveront tous les problèmes de votre voyage. Et enfin, pour terminer, vous aurez un grade qui sera basé sur combien de pognon vous avez utilisé. Ah, bien sûr. J'adore l'argent. À chaque argent que vous utilisez dépensera la difficulté au long terme. Le choix est à vous de dépenser ou non ce pognon. Attendez, c'est un mode d'accessibilité, ça? Non, non, c'est bon, j'ai compris. Fantastique! Alors, pour les gens qui débarquent, du coup, on est sur un jeu qui s'appelle Hack, avec 2 A. Et c'est un Metroidvania indépendant, avec un grappin et une épée. Et une ambiance qui me vendait un peu du rêve, donc c'est pour ça que j'ai demandé la clé de ce jeu. Et du coup, apparemment, il y a un mode d'activité, j'ai pas trop compris. On peut acheter du chou. Ah non, c'est notre grade. Là, on est en grade piment. Mes trucs de vanilla. Pipilo. Attends, mais du coup, j'achète des trucs, c'est quoi? Un bouclier. Prix 1. J'ai pas d'argent. Mais c'est quand je me fais trop toucher, je crois, que ça me donne de l'argent. Donc en fait, c'est ça. C'est pour les gens qui se font beaucoup toucher. Ça fait un mode d'accessibilité. Je pense que c'est un mode d'accessibilité. Hein. Oh, il y a des secrets, regardez. Attendez, je suis pas un nulos, moi. Ah, je suis un nulos. Il y a un truc caché là-bas derrière. Arrête! Voilà. Je suis mort, du coup, maintenant, j'ai une pièce. Il m'a ramené où? Il m'a ramené là. Arrête! Putain. Il me faut un double saut, là, parce que je tombe à chaque fois. Arrête! T'as pas côté. Bah du coup, moi, je vais aller voir ce qui se cache là-bas, mais j'arrive pas à sauter. Ouais, mais il y a un mode pour viser, en plus, je suis bête. Accroche-toi. Accroche-toi, que je te dis. Pas accroché. Arrête. Au secours. J'avoue, le feeling de certains sauts, je suis en galère. Laisse-moi aller voir le secret. C'est pour optimiser les pièces, bien sûr. En fait, ce qui est chiant, c'est que voilà, il arrive, il s'accroche pas. Hop! Ok, des tunasses. Et un cadeau, un secret. C'est de la teinture jaune. Ah, peut-être que je peux changer la couleur de ma cape. Let's go. Non, reviens. Non, en plus, c'est le grappin quand on est accroché. Oh là là, si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais pas été un nulos. Chien. Hein. Par contre, les autres tunas, j'ai pas encore trouvé comment les dépenser. Sauvegarde. Oh, ça va être un boss, ça. Comment ça, ça sauvegarde tout seul? Go.
Il y a un secret là-haut. Mais comment je passe? Ils sont mignons, mais comment je fais pour prendre le truc là? Je peux pas me baisser tout seul. Ah si, je peux. Mais je me prends quand même. Mais c'est dégueulasse! Vous savez, mais comment je passe? Faut forcément damage boosté? Hein? Il me dit fait R. Ah. Ah. Ça pouvait pas être bas. Ça pouvait pas être la touche bas. Diamant. Hop. C'est quoi hein? Oh, j'ai cassé. Oh, c'est une deuxième arme. Vitesse du grappin de 15... augmentée de 15%. Évidemment qu'on lit pas ici. On sait qu'on va lire. Par contre, il y a un truc. Ok, attendez, il y a bagarre. Ah, il met des coups de grappin un peu tout seul. Hein. Bon, c'était pas un boss très compliqué. Hein. Un truc où je vais dire. Qui me gêne, entre guillemets, c'est l'ambiance sonore. Un peu vide. Et pas trop de musique en fait. Vraie critique. Encore un bonus ça? Oh là 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 là. Comme on est trop fort. Je suis Super Saiyajin 4 là. Hein. Appuie sur G pour te soigner. Oh voilà, let's go. Ça va le passage en bas ça? Ok. Sacré bras, muscle, trois fois, j'ai pas compris. Il dit qu'il a pas compris. Non! Je m'en fous, je farme le pognon. Hein. Y a pas des mots de BTTV sur cette chaîne après. Hein. Boum. Après, il y a les émotes globales, je suppose que ceux-ci. Ils y sont forcément. Du coup, il y a un truc ici ou c'est juste pour se faire un escalier? Oui, je pense qu'on s'en fout. Pas tout péter quand même. Donc maintenant je peux avancer. J'ai aussi de la bouffe pour les chiens. Il va me parler là Jean-Michel. Ah voilà. J'ai 150. On va acheter quoi par exemple? Une augmentation de coup critique. Ou la longueur du grappin. Ça c'est la puissance d'attaque. Vitesse du grappin. Il y a quoi ici? Des checkpoints à mettre sur la carte. Marquer les checkpoints dans les zones explorées. Donc des emplacements de choses sur la carte. Un quart de cœur. Ah mais attendez, mais si je prends un quart de cœur, j'ai un cœur en plus là, let's go. Moi je veux les cœurs moi. Muscle argaille. Ben voilà, 3 muscles. Muscle 3. Et pour 100 balles, est-ce que je peux pas acheter ça là, la longueur du truc? Voilà. Let's go. Boum. HP up. Ok, nice. Et donc mon grappin. Merde. Je pensais qu'il allait plus loin. Du coup, comment ça se passe? Ah, c'est beaucoup plus fun que tu pourrais l'imaginer. Vraiment? Peu importe. J'espère que tu pourras sortir bientôt. Ça sera mieux pour nous deux. Je vois que tu auras passé ces bâtiments devant là.
Ah, tu trouveras le marché des talents de Sanyo. C'est la seule façon de sortir. Au moins, de ce que j'en sais. Allez, avance. C'est un tir de cœur, c'est vrai. Et les fameuses pièces. Mais moi, je veux le jeu en dur. Moi, je veux mourir et avoir le jeu en difficile. Hein? Comment je passe là? Ah, c'est ça. Il y a un secret. Secret. Je mourrai râlé, exactement. Vous avez compris. Vous avez compris qui je suis. C'est moi. Doum. Elle descend. La porte. Voilà, la porte. Visiblement la porte. Je peux pas encore ouvrir ces portes, ces espèces de murs un peu vénères là. Je pense que je pourrais les péter plus tard. Ah oui, moi je voulais aller vite, mais j'ai pas eu le temps. Pas descendre là, a priori. Allô ? Mais quel con ! Je savais en plus qu'il y avait un truc de l'autre côté aussi. Accroche-toi. Ah, j'ai coupé. Thierry, ça a coupé. Vu. Ah, je peux pas monter ? Si. Voilà. Grâce à mes techniques avancées de speedrun, on peut passer. Choper un autre tir de cœur, insane. Ah, j'aurais pas dû l'acheter alors. C'est gâché là. Je suis arrivé au marché. Ouais ouais, c'est bon Teddy. C'est bon Teddy, on a dit pas le lore. No lore for me. Point de sauvegarde. Ok. Cool ça. Et là-haut, je pourrais pas monter. On voit où ma thune? Là, 20. Enfin, j'ai pas beaucoup. Hein. Je me suis ruiné en même temps. C'est un boss ça. C'est un boss ça, il y a une porte. Classe! C'est dommage que ma truc caméra il marche plus là. Je peux plus me cacher. Ça fait chier que mes scènes elles marchent plus comme avant là. Et salut frérot! Est-ce que tu vas me parler avant d'avancer dans ma zone là? Comment ça chez toi? Moi ça c'est chez toi. L'héroïne. Alors ça, je peux pas... Enfin, j'ai juste envie de me barrer, quoi. Et où sont tes manières, espèce de sac à merde? Et qui es-tu pour te balader sur mon domaine? Quelle insolence. Ouais, ouais, c'est bon. Calme-toi, mec. Si tu veux. De quoi? Me calmer? Je vais te péter le cul. Mais moi je peux tricher avec mon grappin. Oh, quoique il tape loin aussi. Il tape loin le petit Bats. Ah. Il est stunned. Les animations sont géniales. Hein. Merde, j'avais pas vu qu'il était revenu à la vie. Non! Qu'est-ce qu'il fait? J'ai plus de vie!
tu mords. Athéon. Merci Morode pour le raid. Voilà, que de raid, que de raid. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci, bienvenue. J'espère que le stream s'est bien passé. Je suis tombé dans le panneau. Prends ça, espèce de rat de rue. Rat de rue. Je suis un rat de rue. Coucou, Emo. Merci beaucoup pour le raid. Coucou tout le monde. Ah, faut que je bouge. Ça manque d'un dash, hein, moi je dis là. J'ai envie de bourrer, mais j'aimerais bien un petit dash quand même. Faut vraiment bien bourrer. Maintenant il fait ça. Doom. Bouge. Ah, faut pas que je force. Sinon je vais crever. Bon, je l'ai battu en bourrant. Merci beaucoup, bienvenue. Vous arrivez sur Hack. J'ai pas vu si je pouvais. Il y avait un choix pour le tuer ou pas le tuer. Hack est un Metroidvania qui avait une ambiance qui m'intéressait pas mal, donc c'est pour ça que j'ai demandé une clé. Et on découvre ça aujourd'hui. Voilà. Radaway. Il y avait pas un truc où je pouvais choisir. J'ai rien de prévu pour Interglitch, non. Il y a une run Isaac qui a été envoyée, mais je n'y suis pas. Et ben voilà. Moi qui voulais un dash. Vous avez obtenu le dash. Insane. Et voilà. Facile. En même temps, ce genre de jeu sans un dash, c'est 100 fois moins bien. Et on m'apprend que c'est un dash qui rend invulnérable en plus, visiblement. Un peu de dashé accroupi. Magnifique. J'essaie de traverser la rue. Je demande. Effectivement, le jeu donne. Et donc, on va pouvoir gagner en distance aussi. Mais je suis sûr que là, j'en ai pas besoin. Hein. Grâce à ma technique avancée. Voilà, pas besoin du dash. Je l'apprends, moi. Là, peut-être il faut le dash. Hop. Un raccourci, ça, il y a un secret. Vu. Vu. Ça, du coup, Emo, tu seras interglitch. Je sais pas si j'irai le week-end interglitch. Merde, quel idiot. Mec, tape les mines, quoi. Après, faut aller à Paris, quoi. C'est loin. Oh, les yinches. Encore les yinches. Oh, je suis nul. Le mec est nul aux jeux vidéo. Boum. Fallait acheter la bouffe, bordel. C'est bon. Gratos. PSD en coop. PS2. Tcha. Pas PS2. Vu le raccourci. Time Splitters. Ah, nous, on connaît juste la BO. Je suis quoi? Une antenne de télévision. C'est des cadeaux, ça. C'est des secrets. On peut changer de zone, ok. On a vu un petit truc live. Ah, bravo, mon gars. La sortie est juste devant toi. Ah, t'es plus tenace que ce que je pensais. Tu pourrais me raconter ton passé, un peu de background. Et toi d'abord, mon travail est de collecter, c'est de collecter des informations. C'est tout ce que je peux te dire. Et moi je suis là à la recherche de quelqu'un, c'est tout ce que je peux te dire. Et tu cherches qui? Peut-être que je peux t'aider puisque mon job c'est de savoir les choses. Ton nom est Back, comme Hack, mais avec un B. C'est mon frérot. On s'appelle presque pareil parce que nos parents, ils avaient une bonne idée. Il était à Sanyo, au fort, cœur rempli, cœur bien rempli. On a perdu contact. Le fort, cœur bien rempli.
Mais c'est pas dans mes capacités, ça. J'essaierai de trouver quand même, si jamais. Je devrais aller à Neo Sanyof d'abord. Moi, il y a mon pote 3Kyo qui était avant qu'on se connaisse. C'est aussi le meilleur endroit pour trouver des infos sur les gens et tout ça, quoi. Une fois que tu seras là-bas, tu pourras chercher. On pourra discuter, pardon. C'est Truite. Lui, c'est Truite. Les ruines de Sanyo. Oh, je me casse. Alors oui, après, ce sera Metroidvania, donc on pourra, voilà, il y aura une carte. Évidemment, on se baladera de lieu en lieu pour éventuellement fouiller ce qui se passe dans les ruines, pour trouver d'autres trucs. Là, on va à Neo Sanyo. Let's go. Bienvenue à Neo Sanyo, l'endroit le plus sûr pour les humains de toute la Terre détruite. La Terre du milieu. Mais te repose pas tout de suite. On a des choses importantes à faire. J'aimerais vraiment savoir comment se porte mon agent. Allez, va le chercher et prends l'ascenseur pour la chambre 3B. C'est là que notre agent se trouve. Non, je raccroche. Hein. Et je perds la lumière là. J'allume mes lampes. Le fond vert sera un peu moins dégueu. Ah, bonjour. Laissez rentrer. Je comprends pas ce que vous dites. Non, toujours pas. À qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, à Neo Sanyo? Je vais dans la room 3B. Ok, tu peux y aller. Il a un casque VR, lui, sur la tête. Et il est là, le chat. Le chat. Ça va? Ça va, bébouchin? Et cette oreille, là. Et peut-être que je peux vous le montrer quand même. Chat. Non, ça marche plus, mes scènes. Je peux plus vous montrer le chat. Vous voyez juste son oreille. Vous avez le droit que à l'oreille. Et moi, je vois pas mon écran, mais vous voyez l'oreille. Coucou. Qui es-tu? Ah, il fait que pleuvoir ici, on dirait. Ah ouais, je connais. C'est la Bretagne. Pas d'argent. Pauvre. Oh. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ma tête. Je me sens pas bien. Je suis tellement fatigué. Ouais. Je vais fermer un oeil. Une petite sieste avant de chercher où se trouve Bach. Ouais, j'ai cherché de l'eau parce qu'il a soif. Il n'y a pas d'eau sur le bureau. Mais voilà, il s'en va. Petite sieste. Est-ce qu'on va se réveiller dans notre chambre ou pas? Ah, c'est des souvenirs. Souvenirs, souvenirs. Bach aime bien s'asseoir ici et lire, mais je suis plus intéressé à cette tête de cheval sur l'étagère. Je crois que Bach disait que c'était la pièce d'un jeu qui s'appelle Les échecs. Je connais bien les échecs. J'en ai beaucoup dans ma vie. Peut-être un chevalier. Enfin, bref. Les anciens lui ont donné comme une récompense il y a quelques années de cela. Il en était plutôt fier. Et parce qu'il a été beaucoup de production de maïs, et il a mis beaucoup de nourriture sur la table des gens. C'est pourquoi peut-être que Bach aime lire. De toute façon, je pourrais pas faire ce qu'il fait. Je suis pas un nerd, moi. Moi, j'aimerais bien... Voilà, moi, je sors dans les boîtes de nuit. Moi, j'aime pas lire. Moi, je veux pécho. Je suis pas un geek devant son écran. Il stream sur Twitch. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? Non, il y avait du 2640 là tout à l'heure dans les dates, je crois, ou je sais pas quoi. Je sais pas si on peut regarder mon inventaire. Où mon inventaire? Je
peux pas ouvrir ma carte ici, donc je peux probablement pas ouvrir mon inventaire, mais... on a ramassé un truc tout à l'heure qui était plus ancien. Enfin, plus... C'était un truc des anciens, mais qui était déjà dans le... Ou alors c'était 2040, mais c'était un vieux truc, mais voilà, quoi. Donc non, c'est pas dans 20 ans. 2040, c'était déjà une relique du passé. Je sais pas exactement quand ça se passe. Et à part cet atelier... Je pense que ça, c'est mon endroit favori. J'adore le vent qui me passe sous le nez. Et le décor. Et la seule chose qui reste ces derniers jours, c'est le vent. Les dernières années... Non, c'est les tempêtes de sable de cette année ont duré des mois. Beaucoup plus long que toutes les autres années. Je pense qu'il les a tous lus. Je sais pas, moi j'aime pas trop les livres. Plutôt, voilà, un bourrin. Ah, il a dit qu'il kiffait l'atelier. Vas-y, on va aller regarder l'atelier, là. Ah, je suis pas trop un lecteur, mais je suis plutôt bon avec mes mains. Ah, ça dit, Bach est pas mauvais non plus. Ah, il m'a appris comment utiliser des outils simples. Et il m'a même fait des petites épées quand j'étais un enfant. Ah putain, si seulement ces chiens n'avaient pas tout pris. D'ailleurs, pourquoi je me suis jamais fait ma propre épée? Ah, le fort, j'y retourne encore. Ça fait combien de temps que j'étais parti cette fois? Un mois? Encore une journée suffocante. Attendez, mais où est Bach? On sait pas. Hé, hey, il s'est enfin réveillé, il a dit bonjour au soleil. Enfin, je pense pas qu'on verra le soleil aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on dit, non? Ça va être Tommy. Qu'est-ce qu'il fait déjà ici? On va vraiment juste raconter son histoire à Bach. Est-ce que tu... Somnambule? Est-ce que t'as mangé la nourriture pour chat qui tartonnait le cerveau? T'es un idiot, mec! D'ailleurs, les choses sont plutôt mauvaises ces derniers temps. La nourriture est de plus en plus dégueulasse. Merci pour le follow, bienvenue. J'ai pas mangé de la viande de cheval fraîche depuis des années. Ouais, rôti sur un feu, avec du cumin, bordel de merde. Je donnerais tout pour bouffer des chevaux, là. Ah bah, que c'est levé. Allô, bah. Pourquoi tu bosserais pas plus dur comme ton frère, putain? T'es vraiment qu'un clochard. Pourquoi je peux pas parler? C'est étrange. Où est parti Tommy? Yami, yami, yami. Ah, peu importe, je devrais chercher Bach. Donc ça, c'est le moment lore. Ouh. Ah, t'es réveillé? Tu viens avec moi demain? Toad était un vétéran qui va chercher des choses de l'équipe merde. Recherche. Et il trouve toujours des trucs bien quand on parle avec lui. Des pierres, bien sûr. Et la nourriture est toujours dégueulasse, par contre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles pas? Hey, pourquoi je peux pas parler? J'ai envie de dire des choses, mais j'y arrive pas. Est-ce que mon cerveau a oublié... j'ai rien mangé de la nourriture pour chat dégueulasse? Ok, c'est pas grave, je me casse, hein. Tu peux pas me parler, je te parle pas, hein. Oh, salut! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que les champs ont été détruits à nouveau. Quelque chose se passe avec cette terre. Les racines ne font que mourir. C'est vraiment frustrant. La moitié du fort dépend de ses racines. Je pense que Bach a perdu son sommeil à cause de ça. Ah, bonjour. Je connais ce jeu. Très bon jeu, point and click. Est-ce que tu cherches ton frère? Il est dans la salle de conférence. La grand-mère Ma? La grand-mama? Je peux pas vraiment voir sa tête, mais je peux être sûr que c'est lui. Ah, c'est le papa? C'est le papa Ma?
Il a dit, voilà. Est-ce qu'il vient de dire que Bach était dans la salle de conférence? Je me souviens même pas où c'est. Où est-ce que c'est? Où est le monde? Ah, pourquoi je peux parler? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as vu, il y a encore des merdes avec les racines. Ça produit plus rien. C'est la terre, hein. Ça, c'est plutôt la terre. Mais... réserve de nourriture est en train de s'épuiser. On a 100 personnes à nourrir ici. On dirait que ce sera encore un été difficile. Arrête de te plaindre. Et toi, tout ce que tu fais, c'est rien branler toute la journée. Et voilà, va, regarde comme ton frère, il fait tout, il dort même plus. T'es pas un gosse, mec. Va bosser, putain de chômeur. Je sais que Bach est excellent. Tout le monde me le dit, putain. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par grandir? J'ai risqué ma vie pour aller piller toutes ces ressources, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Peu importe, je veux pas te voir. Où est-ce que Bach est parti? La salle de conférence, mais putain, c'est où, bordel de merde, ma tête? Il est fatigué, le pauvre. Hein, hein? Oh! Des dessins d'enfants! Ouais, ouais! Alright. Ah, c'est tout? C'est fini? On s'est réveillé. On s'est réveillé. C'est le lourd. Tiens, ma tête me fait mal. La salle de conférence, qu'est-ce que c'est que ce rêve chelou, là? Alors, t'es enfin réveillé. Est-ce que tu t'es évanoui? J'ai oublié de te dire, je crois que Troakio a mis de la poudre à vertige pour empêcher les gens d'entrer. C'est la procédure normale, hein. Écoute, hein. Normalement, quand c'est déclenché, c'est que quelqu'un a été alerté et... Alors, quand ça se déclenche, normalement, quelqu'un est alerté et court directement. Mais Troakio n'est pas là. Alors, du coup, personne n'a été alerté. Alors, peu importe, les effets sont partis maintenant. On dirait que tu pourras peut-être trouver des indices sur ce terminal, hein. Toulout. Je suis à Whitestone. Bien seul. Whitestone? Et pourquoi il irait là-bas, putain? C'est vachement loin. C'était pas... ce n'est pas ce qu'on attendrait d'un agent entraîné. Enfin, je pense qu'il est... on va aller chercher trois qui ensemble. Pourquoi je devrais t'aider encore? Maintenant que je suis sorti de la merde, on s'en fout, non? D'abord, je t'ai aidé dans ces ruines. Du coup, tu dois quand même m'aider, non? Ensuite, t'as le droit de rester ici. C'est quand même pas mal. T'as vu le lit? En plus, tu t'endors dès que tu rentres. Ça, c'est... il y a beaucoup de gens qui paieraient pour dormir dès qu'ils rentrent chez eux, hein. Quand même, hein. Ensuite, on te payera. Et enfin, je peux utiliser mes ressources pour t'aider à trouver ton poteau, ton frérot. Alors? C'est vrai que j'ai pas le choix. Mais pourquoi tu tires la gueule, mec? C'est un monde de chien-chien. Si t'as des potes, t'as moins d'ennemis. Bref. C'est pas facile d'aller à Whitestone. La route vers le sud est un voyage périlleux. Le meilleur pari serait de partir à la station nord et ensuite de passer par les montagnes dans le tunnel du métro. Comment je vais à la station nord? Ça va à Neosanyo, non, sort de Neosanyo et marche 5 km au sud. C'est logique pour la station nord. Je t'ai envoyé les coordonnées sur ta carte. Le mot de passe, c'est 4396. Dépêche-toi, bordel de merde. Donc, vous retenez 4396, je vais me chercher de l'eau. Vous retenez, hein. Vous retenez bien. J'espère que vous avez bien retenu. J'ai soif. Uromiosi. J'ai soif feu.
Merde, je vois plus mon OBS là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cliqué à côté. Ah bah le chat il voulait boire. Tiens. Bon, faudra que je fixe mon stream deck là parce que c'est quand même dommage. Un petit chat, regardez. Petit chat. Molly chat. Ça va, bibo? Hop, bref. Allez, bois tranquillou, parce que c'est bien que tu boives aussi, mon chat. Faut s'hydrater. D'ailleurs, hydratez-vous chez vous, là. S'il vous plaît. Alors, il m'a dit de sortir. Comment ça, non? Hydratez-vous, bordel. Et ensuite, voilà, leave. Ensuite, il m'a dit d'aller au sud. Let's go. Quoi, Freud, tu veux pas boire? C'est ça, la station d'heure? Ah, je me souviens, les pillards ont déjà mentionné cet endroit. Ah, on a un peu de musique, là, déjà. Ils disent que des... milliers de voyageurs passaient ici chaque jour dans les anciens temps. Ah ouais, ouais, je connais, ouais. C'est le métro B. Oh non, attendez, j'ai pété le truc, je peux plus monter. Et si, on peut monter parce qu'on est un speedrunner. Ça me bloque, ça? Oula, c'est peut-être même un peu fort la zic là. Ah, mais je peux détruire, ok. Ok, il faut passer au-dessus. I see. I see. Un cadeau. Une carte mère pour la télévision. Attendez, CRT, c'est quoi? C'est quoi CRT TV? C'est une carte mère. Mais c'est pas une carte mère de télé, ça, si? D'où sort la mode de dire aux gens de s'hydrater? Parce qu'on pense à vous. On vous aime. On veut que vous soyez en bonne santé. C'est bien de boire de l'eau dans la vie. CRT, c'est PCI? Non, je peux pas taper. Je peux pas taper quand je suis accroupi. Use Fortes Kid. Ah oui, c'est vrai que j'ai un soin. C'est vrai que j'ai un soin. Attendez. Mon soin, c'était H. Non, c'était quoi? C'était G. Je l'ai plus. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans... Eh ben, il faisait pas 40 degrés en été. Du coup, on avait moins besoin de gens. Moins besoin de dire aux gens de boire. Que c'était moins dangereux. Mais maintenant que le monde est en train de s'écrouler, bah il faut qu'on dise aux gens de boire. Oh le chien! Oh, il a de la vie le chien! Pas tant que ça. S'il ne fait pas 40 degrés chez vous, pas obligé de boire. Pas obligé. Un petit peu quand même, mais voilà. Il me faut la carte. Et pas forcément autant que les autres. Doom. La cible trouvée. Close là. Ouf. J'en pouf. On se dit droite, on se dit droite partout. Salut les gars. J'ai pas envie de vous parler du tout, hein. Désolé. Bon, je vais leur parler quand même. Salut les gars. Et pourquoi vous avez tué ce robot? Il était même pas agressif. Mais qui es-tu, toi? Ah, t'es un mec de dehors, toi, c'est sûr. Ces robots ont été infectés d'un virus. Et ils prétendent d'être éteints. Mais en fait, ils attendent le moment parfait pour te casser le cul.
Ah ok, c'est vrai que ça a l'air dangereux. Mais ne nous interromps pas. On est très occupés, le maintien de l'ordre, ça nous connaît. On est dans la police quand même, hein. Attention, hein. Vous êtes de la police, vous? Alors, vous ne dites pas comment être de la police. Chacun son travail. Hein. Et quoi? J'allume un générateur. Du coup, ils... ouais, c'est ça, ils veulent se bagarrer quand même, eux. Oh, les bâtards! C'est les momies dans Zelda! Use Fortes Kit. Ah, faut rester là un moment, ok. J'ai l'argent là? 135. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Des coucris. Moi j'ai envie d'acheter l'attaque là, mais ça coûte cher. Pour l'instant, je vais attendre. Merde! Vous avez noté le mot de passe? Je m'en souviens plus. Un, deux, trois, quatre. Non. 42, 95. Non. 43, 96. Oui. Voilà, on voit qui on peut faire confiance. Hein. Du coup, par notre arrangement, ta prochaine destination sera marquée sur la carte. C'est la porte finale qui nous emmènera au tunnel du métro. Ah mais j'ai... Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Ah aussi, t'as probablement vu que... Il y a des problèmes de lumière, non? Ah, essaie de faire quelque chose avec ça, sinon tu auras des problèmes à explorer la station Nord. Avec toutes ces structures compliquées et tout ça, quoi. Je sais que c'était pas 3615, là vous me prenez pour un con. Alors, instructions pour les valves, les valves pression manuelles. Restez appuyé sur les dalles. Et les valves de pression seront automatiquement ouvertes. Attention qu'il y a assez de pression. Quand vous appliquez la pression, maintenez un environnement sain. Je ne sais pas ce que c'était dit. Stable, je crois. Sinon, les systèmes de notre expérience s'activeront. Merde. Merde. Prête. Le air control est zéro par contre. Hein. Genre là, je pouvais pas retourner à gauche pour pas crever. J'ai plus de kit. Mais oui, je pouvais passer en bas, j'avais même pas vu. Mais genre, j'ai dashé là. Quel scandale. Pas monté là? Genre. Voilà. C'est pas pour un con. Là, attendez, c'est quoi ça? Genre de passage. Okay.
Effectivement, un passage secret. Pourquoi ça n'a pas éteint tous les lasers? Ça a éteint que les lasers à droite. C'est le bouton pour éteindre les lasers à droite. PHP. Ok. Là, il y avait un truc. Boom. 2 sur 7 pour les générateurs, ok, ok. Je connais les jeux vidéo. Hein? Attendez, je connais, mais je passe où, là? Hein? Nani? Ah. Ah, c'est un secret. Ceinture rouge. Mais j'ai pas trouvé comment changer ma couleur de cap. De toute façon, je veux pas rouge. Je veux vert. Là, y a rien. Et là, il m'a écrasé. J'ai eu un achievement, donc c'était rentable. Faut que je dash à donf. Go, mec! Ah, ça passe, hein. Je sais pas si c'était prévu, mais ça passe. Ok, ça, c'est une porte où faut aller vite. Vu. Vu le 3-2-1. D'abord les secrets. J'ai pas assez pour le... Non, j'ai pas encore assez pour l'attaque. Putain, mais ça coûte cher, on gagne pas tant de pognon que ça, hein. Du coup, ça se referme derrière moi, je suppose. Sauf si je passe par là. Yes. Et la lumière. Là, il y a un mec qui me tire dessus, hein, par contre. Hop, là, attention. Ah, c'est plutôt tranquille en termes de combat pour l'instant. Il n'y a pas des phases trop vénères. Après, il y aura peut-être des... Des phases avec... genre plein d'ennemis ou un truc comme ça. Je vois bien des salles fermées avec plein d'ennemis dedans. Pour l'instant, on est plutôt chill. Pour la bagarre. Là. Faut pas taper accroupi, hein, c'est pour ça que je fais ça. Boum. Vu. Vu. Non, ça c'est la machine de la triche. Oh, ouais, c'est pas vrai, mais. C'est les options... Du coup, c'est les options d'accessibilité, c'est marrant. Alors, comme le jeu est fait sur les gens qui viennent, qui n'ont pas encore vu comment ça se passait. On a eu un tuto tout à l'heure sur les options d'accessibilité. On peut activer des options pour se faciliter la vie. Mais ça s'achète avec des pièces spéciales qui sont débloquées quand on meurt. Du coup, en théorie... Le jeu s'adapte à ton niveau parce que plus tu meurs, plus tu vas avoir de pièces à dépenser. Et si tu meurs beaucoup, bah voilà, au bout d'un moment, tu vas acheter des trucs. Et tu finiras par plus avoir besoin d'acheter de trucs parce que tu auras atteint le niveau qui te correspond. Ça, il faut que j'active ça, là. Yes. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça intéressant comme concept de... Meurs, ça te donne des options plus tard. Non, pas les robots. Les robots câlins. C'est les relous qui veulent faire des free hugs, ça. On les connaît. Ils sont bien juteux avec leurs free hugs. Tombe! Arrête, mais...
S'accroche. Lâche. Lâche, qu'on te dit, lâche. Mais non. Ah, il y a le rebond. Là, c'est bon. Réflexe. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ouvre là-haut. Thématique. Ah, comme tu peux le voir, cette porte est contrôlée par 4 terminaux. Tu devras tous les activer pour ouvrir la porte. Je t'ai envoyé leur position. Ça va être comme un labyrinthe, alors regarde beaucoup ta carte. Bon courage. Immer, frère. Oh le bâtard. Il m'a feinté. Il y a un truc là. Ah c'est ça que j'active, ok ok. S'il y a moyen de monter là. Je vais pas s'accrocher à ça. Ok, donc, il faut que je le laisse passer, que je leur fasse redescendre ce truc. Voilà. Lâche-toi. Que je te dis. Voilà, c'est juste. Ah oui, ça passe pas. Faut que je remonte et que je m'accroche de l'autre côté. Oh là là, il fait des trucs là. Accroche-toi. Secours. Mieux. Mieux, 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 mec. J'ai tout pété. Je triche un peu, là. Hein. Comment je vais là-bas, par contre? Bah, j'ai le saut. Voilà. Oh non, j'ai débloqué le saut. Genre, y a rien. Ah, voilà. C'est mieux ça. Mais je peux pas ouvrir ça. J'ai pas le pouvoir pour les portes là. Par contre, j'ai un terminal déjà. Let's go. 1 sur 4. Après, il a dit qu'il avait marqué sur la carte, donc c'est où? Ok, donc visiblement, on va faire un tour. Ça a l'air grand. On va faire un tour comme ça là. De toute façon, j'ai pas d'autre choix pour aller là. On est où du coup? Yeah. Aïe aïe aïe. Toutes ces choses qui sont bloquées. Oh, le chien, il m'a défoncé. Pour l'instant, je peux pas passer dans toutes ces zones. On va revenir avec notre pouvoir, le prochain pouvoir qui nous permettra de péter les portes plus vénères peut-être. Il y a un truc là. C'est que pour tomber? Il faut que j'aille à droite parce qu'il y a le... Je pense qu'il y a le truc à activer quand même. Oh là là, ça va vite un peu là. Ok. Ça va en vrai. Des passages bloqués dans les Metroidvania, impossible. Pas de ça dans mon jeu vidéo. Le bâtard, il m'a explosé dessus. Y'a rien là. On peut pas, on peut s'accrocher mais on peut pas avancer. Ok. Oh le petit clown, il a un chapeau sur la tête.
Humain, je suis chaud, oui. Je suis absolument sans danger. J'ai pas l'air violent comme les autres robots. Parce que je ne le suis pas. Je n'attaque pas les humains. Mais pourquoi les autres m'attaquent alors? Ils ont été infectés avec un virus. Un virus? Bah, tu nous aideras. Je crois pas que... Je ferais de mal. Dis-moi ce qui se passe. C'est quoi ce virus? On va parler à Chodo d'abord. Il te dira tout. Et qui sait? Un ami, il se cache dans les tunnels du métro. Elle va d'abord lui parler. Oh, on a des quêtes annexes en plus. Intéressant. Des quêtes en plus de la progression. Oula, mais comment j'ouvre ça, moi? Hein? Comment ça, une seconde? Mais c'est pas possible. Il y a Freud qui me bloque l'écran. Je crois qu'il faut que je descende alors, c'était juste pour lui parler à lui. Oh les petits cons. Saleté. Il y a visiblement des raccourcis. Très bien. J'étais à portée. Quel enfer! Quel enfer! J'ai pépé de me moucher tout le temps là. Ça va passer? Il y a un disque! Moi je veux le disque! Give me the shiny disc! Au pire ça fait des thunes! Oh je vais pouvoir acheter un... une attaque! Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant mais... On en a deux. Et ça, c'est important. Les collectibles, c'est pour le 100%. Le chlorophylle. Saison 3, bien, ouais. Pas mal. Peut-être qu'on en fera demain, exceptionnellement, même si d'habitude, c'est strict. Peut-être on essaiera de faire de la saison 3. Oh, le con. Je sais pas, comme vous voulez en vrai. Je sais pas si vous avez des préférences. Le dimanche en général c'est strict, mais. Rien n'empêche de changer. Non! Il me reste un interrupteur à allumer pour la lumière. Hop! Et je peux m'acheter l'attaque. Voilà, let's go. J'achète. La Bogor. Je vais où en fait là? Oui, je vais là. Parfait. C'est bon. Ah bah, je disais des vagues d'ennemis là, voilà. Du coup, j'ai acheté le attack up juste avant. Nickel le damage up qui tombe là. Oh, il y a eux. Le retour des sauteurs. Et les combats, c'est pas trop dur. Le boss de tout à l'heure, il était plus dur déjà et j'avais bourré. Peut-être les boss, c'est plus, un peu plus... un peu plus stylé. Ah, c'est bien, hein. C'est bien d'avoir aussi un petit jeu tranquille des fois. Dans l'exploration, je veux dire. Prête! J'ai un succès parce que je me suis fait taper par de l'électricité. Le jeu, il s'est moqué. Le jeu se moque des nuls. Un secret là, je sais. Sale bête.
Ah, il faut que j'aille... Oui, je peux monter. Dans l'idée, il faut que j'active ça. Ah mais c'est trop facile avec le grappin. J'ai 3 secondes d'avance quoi. Okay. Ah, je peux pas aller là-bas. Je me balade mais je crois pas que ce soit trop l'endroit où je suis censé aller. Ça correspond pas en tout cas à ma route pour vers les interrupteurs là. Mais peut-être un quart de cœur ou qui sait. En tout cas, il y a... Ouh, ok. Ça, ça me parle. Les phases un peu plateforme compliquées, là. Ça peut annoncer un début de truc, peut-être. Un bol étrange, à nouveau. On l'avait déjà vu, celui-là? Pas dû faire gaffe. Est-ce que... Ah, parce que ça va me débloquer un pouvoir, non? C'est pas genre de l'ADN ou je sais pas quoi. Peut-être que je vais au bon endroit, en fait. Ouais, c'est ça, ok. Ah, ok. Vous avez obtenu l'attaque chargée. Reste appuyé sur Q. Il fera une attaque chargée. Ah, mais ça y est. Voilà, je peux péter les gros murs. Let's go. J'ai chopé une note avec des mots bizarres. Tu sais ce que cette note dans tes mains signifie? Ah non, j'allais te demander. C'est un mot de passe que seulement nos agents peuvent déchiffrer. Ça veut dire... C'est vrai. T'as raison. 3 kios à laisser pour toi. Donne-moi du temps et je te dirai ce que ça veut dire. Et voilà. Alors, ça veut dire ça. Moi je vais écouter, bah oui, ça je vais écouter quand même. Je suis en train d'investiguer les sous-sols de l'organisation... Enfin, les dessous de l'organisation appelée les gardiens du savoir. Aucune idée quelle est leur étendue pour l'instant, mais ils sont pas des amis de Joie-Vie. Roi-Vie. Les investigations pour l'instant... continuent, quelqu'un m'a contacté. Elle voulait me donner des informations... Ils voulaient que je leur donne toutes les informations que nous avons sur Wavi. Ou sinon... ils donneraient toutes les informations sur nous à Wavi. C'est compliqué. Je veux pas savoir s'ils sont en train de bluffer. Et sinon, tous nos agents dans Sanyo seront en sérieux danger. Je m'en fous du lore. Bagarre. Ok. En vrai, c'est intéressant de voir le... Le truc du... Je peux pas... charger en l'air. Ah, je peux pas charger en l'air. Voilà, on a un peu de l'or du... Mec qu'on cherche. Et on a direct un deuxième pouvoir quand même, attention. Ça va trop vite là. Vous pouvez utiliser maintenant des attaques à mêlée pour renvoyer les projectiles. Et vous pouvez même utiliser des attaques chargées pour envoyer des projectiles encore mieux. Bien. Qu'un meilleur timing. Ah, le tuto qui nous montre qu'on peut péter les bébêtes. Grâce à ça. Ah, ok. Du coup, il y a un secret, là. Non, c'est un raccourci. On ouvre le raccourci, mais voilà. Mais je vais essayer, du coup. Bim! Bouh, les nulos, bouh! Ils se tirent entre eux. Ils sont en train de s'auto-exploser leur truc.
Il est coincé là. Bien. Marrant. Ah mais il l'avait mis de l'électricité pour que je sois forcé, je suppose, du coup, de... De renvoyer. Arrête. C'est sale bête aussi là. Normalement si j'ai assez de rapidité je peux les défoncer donc ça va. C'est sale bête. Jamais allé là. Hein, hein. Non ça l'a remis. Parce que je suis passé par là. 100% passé par là tout à l'heure. Ah, mais comment je suis censé passer? Oh, ils font mal ceux-là, j'avais pas vu. J'ai plus trop de PV là en fait, je suis un peu inquiété. Il y a des secrets partout. Un fucking CD, j'en ai 3. Hop. Terminal numéro 3. Je pense qu'on va faire, c'est que je vais activer les 4, essayer de passer à la zone suivante. Et on changera de jeu. Ça, on aura un peu visité. On spoilera pas trop, parce que Metroidvania, on veut pas non plus trop spoiler. Mais c'est prometteur. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez pour l'instant, le chat, mais moi je suis plutôt convaincu. Arrête! Oh, je suis nul avec les chiens. Ça one-shot même pas l'attaque chargée sur eux. Du coup, c'est dangereux de la charger. J'ai trop envie de crever, moi. C'est vrai que j'utilise mon grappin aussi. Le grappin, il fait un peu de dégâts. Oh, il y a un mec. Non, lui aussi, il fait des trucs chargés. Ok, c'est bon. Je suis en vie. Alright. Ça a l'air propre, la progression à la smooth, ouais c'est pas mal. Moi c'est le seul truc que j'aime pas trop, enfin qui me dérange, c'est l'ambiance sonore, y a pas beaucoup de musique. C'est le seul truc que je reprocherais pour l'instant, on va dire, au jeu. Je reproche pas vraiment des trucs au jeu, mais... Je dois aller où? Mais si je devais me plaindre, je pense que je me plaindrais plutôt de l'ambiance musicale. Ouais, pour un Metroid-like, bah après, toute comparaison gardée, c'est trop facile en fait après de dire « Ah ouais, mais c'est moins bien qu'Hollow Knight et tout. » Mais ça va, tous les jeux peuvent pas être Hollow Knight. C'est la vie. Ouais, ça repousse aussi, ok, les trucs qu'on avait déjà cassés, visiblement. Du coup, comment je passe, moi? Que je redescende. Oui, là, il y avait ça. Parce que Silksong, ce sera Hollow Knight. Oula. Bordel de merde. Ok. Ok. Okay. Peut-être Silksong sera nul, hein. Imaginez un monde où Silksong est nul. Je sais pas si à la manette c'est dead. En fait, le jeu m'a tout de suite mis un curseur et quand tu vises, c'est pas mal. Mais il y a un mode visé. Du coup, peut-être le curseur, ça passe. En fait, j'ai une touche pour viser. Je m'en sers pas du tout parce que je suis à la souris. Mais si j'étais à la manette, peut-être que la touche pour viser serait pas mal. Bah en vrai, peut-être que je peux vous dire. Alors du coup, j'ai pas les touches en tête, mais... Ça, c'est pour charger. Il est où mon grappin? Là. Ah bah, il y a un truc. Voilà, ok. Donc en fait, la touche pour viser, c'est juste le stick. En fait, tu vois là, j'appuie sur le stick. Juste, je tourne le stick et ça permet de viser. Du coup, je pense à la manette, c'est tout à fait acceptable. Je vais essayer de faire le reste du niveau à la manette pour voir si c'est chiant.
Par contre, j'ai pas toutes les touches en tête. On a dit c'était, ouais, c'était ça pour dasher. Okay. Je me prends les trucs dans la tronche. J'avais un dash aussi. C'est ça, ok. Hein ça... Ah, je pensais que ça allait ouvrir le raccourci en bas. Comment on soigne avec ça? Mais non, je peux pas parce que j'ai pas de soin là. Hein? Attends, y a un bug dans la matrice. Comment je fais pour passer? Faut que je m'accroche. Ah. Mais maintenant, je peux plus monter. Qu'est-ce qui... Mon attaque chargée? Hein? Non, ça marche pas. Comment je chope? Non! Triple CD. Yeah. Pour l'instant, la manette ça a l'air smooth, hein, y a pas trop de soucis. J'ai pas toutes les touches en tête donc je m'embrouille, mais en vrai ça va. 140, on pourrait peut-être s'acheter un truc genre les coups critiques ou quoi. Attendez, il y avait des trucs sur la carte. Tiens, on va faire ça, on va regarder ce que ça donne. Puisqu'il y avait d'autres possibilités d'achat. Voilà, il y avait ça, et ça c'était quoi déjà? Ah, des bonus pour le soin. Ah, peut-être ça veut dire qu'après on pourra acheter des trucs. Plus d'énergie, donc ça c'est genre la magie. Enfin, le. Peut-être après on aura d'autres sorts que le soin. Ça a l'air d'être un peu l'équivalent de la magie. Et on pouvait acheter des marqueurs. Ah oui, je peux en acheter qu'un. Vas-y, j'essaye pour voir. Et du coup, ma carte qui est là. Non, qui est où? Ah mais on voit toutes les améliorations qu'on pourra avoir. Ah mais ça va loin. Mais regardez, il y a beaucoup de choses en fait. J'avais pas vu ce menu. Ouais, il y a beaucoup de possibilités. Là, j'ai un HP up, on voit. Mais je pourrais en avoir 6 encore de plus. 7 de plus. Ouais, ouais, ok, d'accord. Et peut-être des trucs que j'ai... Voilà, et ça c'est pour la carte, donc j'ai pas tout. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas encore trouvé aussi. Ça, c'est les quêtes principales ou pas principales. Il a l'air assez complet, hein. Belle surprise, en vrai. Ok. Par contre, c'est ma carte que je voulais... Comment je la retrouve? Là. Et maintenant, on a les checkpoints sur la carte. Ok, ok. Et peut-être on aura une TP rapide plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Oula. J'ai un peu glissé vite, là. Quel enfer les bruits! Arrêtez, quel enfer! Il y a un genre de visée auto aussi d'ailleurs pour les gens que ça intéresse sur la. Comment je me soignais déjà? Là. Il y a un genre de visée auto sur le. Sur le grappin à la manette si vous voulez. Regardez, voilà, il y a des trucs, visiblement, ça me propose... Alors là, ça, voilà, ça lock un peu dessus, là. Pareil pour les gens qui s'intéressent. Ok, c'est sur la porte. Dash, je me chie dans les touches. C'est un mec connu, ça? Regardez tous ces vieux films, encore et encore. J'ai trouvé un livre dans la station Nord. Il parle de plein de trucs chelous. Là, qui veut lire ça? C'est connu, ça? Je sais pas.
The Intellectual's Spring. Ça me dit rien en tout cas. Je vais peut-être aller de l'autre côté, moi. Voilà. Les petits boys. Oh là là, je dis même pas bonjour là. Terrible mec. Ah, il y a des secrets qui sont indiqués d'ailleurs, il y a des secrets qui ne sont pas indiqués. Du coup, est-ce que c'est des secrets les autres? Je sais pas. Le grappin perçant. Après avoir relâché votre grappin, vous pouvez appuyer sur LT pour percer la cible. Et faire deux fois plus de dégâts. Attendez, c'est quoi? Faut que je touche un truc peut-être. Que je touche un truc. J'ai pas tout compris. Mais ça fait en fait ça fait un retour et au retour ça tape, j'ai l'impression. C'est juste, je crois que c'est juste ça mais j'avais un peu mal compris. Et donc c'est un genre de secret parce que c'est optionnel je pense, c'est une améliorée de combat mais ça a pas l'air d'être quelque chose de nécessaire. Ok ok intéressant. Je retrouve le chemin donc vers ça. Je dois aller où? Bas, je dois aller en bas. Où en bas? Je viens de là, moi. Mais je viens de là, moi. Je me suis paumé. Faut que je passe par le checkpoint qui est là, je pense. En fait, je suis descendu trop... Je suis monté trop haut. Ah voilà, il y a ça. S'il y a une grosse porte, c'est probablement bon signe. Des ennemis que j'avais jamais vus. Si, j'avais activé ça déjà. Alors, oh, le petit bat. Ça suffit les conneries. Comment j'avais fait pour activer ça d'ailleurs tout à l'heure? Ah, c'est bon, je l'ai eu. J'ai un peu bourré, mais je l'ai eu. Ok, donc ensuite, il faut que j'aille à droite, et puis le bouton était je sais pas où. Ah bah maintenant, j'ai ça à casser. Ok, ok, maintenant, j'ai d'autres accès. Forcément. Je me trompe de touche pour la carte. Faudrait que j'aille à droite et en bas. C'est ça qu'on me dit. Mais non, là c'était un bonus, non? Ah non, oui, maintenant j'avais ouvert ça, c'est vrai. My bad. Oui, oui, ok. Je m'étais perdu, en effet. J'étais effectivement un peu perdu. Avec mon propre objectif. Encore une note. Laisse-moi voir encore ce que ça dit. Alors... J'ai passé les portes du métro. La situation dans la station nord est un peu différente de ce que je connaissais. Oula, non, mais c'est passé trop vite. Après tout, mon contact anonyme a perdu patience. Il y aura des conséquences. On dirait que... Ah, on se croise à nouveau. Ah ouais, j'espère que je pourrai au moins prier pour toi. Mais il n'y a aucun... pas de temps pour ça. Rakyo doit être juste devant. Ok, ok. Ben voilà, Subway Tunnel, je pense que j'avais dit que je voulais quitter la zone et m'arrêter là. Donc ce sera une bonne découverte, très bonne surprise. Très très bonne surprise, on va faire le dialogue quand même. Signal ici, doit... ok, problème de signal. Je suis tout seul,
Ce tunnel devrait m'emmener à la sortie. Il faut que je me bouge. Voilà. C'est donc Hack. H-A-A-K. 2-A. Jeu que... On m'a donné puisque j'ai eu une clé. Je dis au cas où quand même, je le redis. Vous sur le stream, vous pouvez faire point d'exclamation jeu pour avoir l'info si vous voulez wishlist et compagnie. Et YouTube, bah, si j'y pense, je mettrai un truc. Mais je sais pas. j'y pense rarement. Le jeu est à 12€ pour l'instant et il sera à 15€ à partir du 8 septembre quand il sera sorti de la promo de sa sortie puisque le jeu est sorti le 25 août, donc c'est assez récent. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai un autre jeu. Alors des bisous YouTube. L'autre jeu sera pour plus tard YouTube, hein. Désolé. J'ai spoilé. Au revoir. C'est bien, on a fait une VOD propre pour YouTube. À peu près propre, avec intro et outro. Bravo.